Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo rapide. comme je vous ai mis dans le titre, c'est du speed coloring. Coloriage mystère, voilà, ça y est, je cherche mes mots comme d'habitude. Mais comme vous savez, quand je fais du coloriage mystère, en vidéo, je vous le passe en speed coloring, c'est-à-dire en vitesse plus rapide. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Comment on va dire? C'est du coloriage, voilà, tout simple. Il n'y a pas de technique spéciale. Voilà, donc je fais le coloriage. Et moi, je vous le passe en rapide, en vidéo. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le rapide en vidéo. Mais bon, là, c'est vraiment surtout pour voir le résultat. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait au feutre. Je l'ai fait au crayon de couleur avec mes bruts funeurs. Voilà, et à l'essence sans odeur pour enlever les traits. Les détournements de noir qu'on fait autour du dessin sont faits au feutre noir. Voilà. Donc j'ai oublié le nom de mes feutres. Alors je fais un premier trait avec un feutre. Donc je vous mettrai les noms en barre d'infos. Je fais un premier trait avec un feutre et je remplis avec un autre feutre. Vous vous rappelez la trousse dual brush j'ai oublié. Mais je vous remets en barre d'infos le nom. C'était la pochette de feutre. Les feutres pinceaux, voilà. Donc je vous remets le nom. Voilà. Poisson rouge. Oui, mais je suis une tête de poisson rouge, hein, que voulez-vous. Donc voilà, c'est la petite vidéo du dimanche. Feutre comme ça, rapide. C'était ma petite récréation du jour. J'avais pas envie de me prendre trop la tête aujourd'hui. J'ai dit, en plus avec le temps qu'il fait, j'ai dit, allez, on se fait un petit coloriage mystère. Ça me suffira. Demain c'est lundi, demain matin ça va être cartonnage toute la matinée. Puis après-midi je reprendrai mon dessin Carla Markova, voilà. Et ouais, parce que le cartonnage, je préfère le faire le matin, parce que ouais, il fait moins, malgré qu'il fait pas très chaud hein, en ce moment. Mais je préfère le faire le matin dans mon atelier. Et puis, au moins l'après-midi, je fais le coloriage, mais en même temps, je suis... Il y a les feuilletons à la télé, tout ça. Voilà. Donc, en même temps, je dois avancer aussi sur mon DP. Donc, je verrai. Il y a peut-être le DP aussi que je ferai. Bon, j'ai déjà refait un morceau. Hein, la première bande du haut est finie, terminée déjà. Donc, celui-là, de toute façon, il va être vite fini. Hein. Il va être vite terminé. Je suis en train de m'amuser à enlever la colle sur mon tapis. Elle est toute sèche. Regardez mon tapis dans quel état il est. Il faut que je le mette sous la douche. Ah, je vais tout tomber. Il faut que je le mette dans la douche. Lui faire prendre un petit bain. Et après, avec une petite brosse, hop, voilà, tout s'en va. Mais ça m'énerve de voir toute cette colle dessus. Ben, c'est la colle du cartonnage, mais bon. Donc voilà.
Et je vais vous laisser donc visionner cette petite vidéo. J'espère qu'elle va, excusez-moi, j'espère qu'elle va vous plaire quand même. Voilà. N'hésitez pas à me dire en barre en commentaire, voilà, ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si vous aimez pas, dites-moi. De toute façon, vous avez vu, hein, les coloriages mystères, je n'en mets pas souvent, hein, j'en mets un de temps en temps seulement. Voilà. J'en fais un de temps en temps en plus, entre deux chez moi, mais que je ne fais pas de vidéo. Donc, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les coloriages mystères. Voilà. Donc voilà, là je vais vous laisser visionner cette petite vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage!
Thank you.